Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour le vlog de Noël numéro 2. Aujourd'hui, on est jeudi 1er décembre, il est bientôt 13h. Je suis rentrée du boulot, j'ai mangé et j'ai pris une petite douche. Donc là, je vais me dépêcher d'ouvrir les cases numéro 1 des deux calendriers. C'est compliqué à dire. Donc je vais commencer par celui de ma maman, comme je vous ai montré. Donc voici le numéro 1. Elle s'est bien amusée à décorer. Alors pour la forme, ah, je pense savoir ce que c'est. Je voulais en fait un ciseau pélican. Et je pense que ça doit être ça. Bon, bien sûr, je sais qu'elle l'a acheté parce que j'étais avec elle. Mais je pense que ça doit être ça. Alors, est-ce que je me suis trompée? Non, c'était bien ça. Voici le ciseau. Et en fait, le ciseau pélican, ça vous permet de bien découper, surtout quand vous faites de la lingerie. Et vu que ça m'arrive de faire des culottes, il y a un moment quand on coud les élastiques, avant de retourner l'élastique sur l'envers, il faut découper un petit peu le surplus de tissu. Et ça, en fait, ça permet d'enlever le surplus de tissu. Et c'est beaucoup plus facile, j'espère. Donc, c'est de la marque Prime, qui est comme ceci. Donc voilà, bah, c'est très bien pour un premier jour. C'est même un beau cadeau même. Elle est très gentille ma maman, dis donc. Voilà, moi je m'attendais genre peut-être une petite mercerie. Bah non, j'ai le ciseau directement. Donc nickel, je vais pouvoir me faire des nouvelles culottes. Parce qu'il y a quelques culottes que je me suis fait, des culottes azur, bah, que j'ai dû jeter parce que en fait au niveau des élastiques, bah, ça tient plus du tout. Soit ça s'est effiloché dans tous les sens et tout. Je peux vous le dire que mes culottes azur, je les porte, mais je les porte très très souvent. Je vais devoir en refaire, je pense, une ou deux, ou même voire trois. Donc ça va beaucoup m'aider. Donc c'est tout pour le premier jour du calendrier couture. Et maintenant, on va passer à celui de Nivea. Donc la case numéro 1, j'ai regardé hier, elle est juste ici. J'aime trop le packaging. Regardez la jolie maison. Et derrière, en fait, vous voyez l'intérieur de la maison. J'adore. Je crois que c'est la maison des lutins, si je comprends bien, parce qu'il y a plein de lutins partout. Des lutins, des gnomes, ça ressemble un peu aux deux. Donc je vais ouvrir le premier, qui est très très grand. Donc je pense que ça va être un grand produit. Ça fait longtemps que j'ai pas ouvert des calendriers comme ça, mais il faut ouvrir des fenêtres en carton. Puis là, j'ai pas l'habitude. Oh là, j'ai cassé le calendrier. Je l'ai un peu déchiré. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a un soin de jour, fraîcheur, hydratation, 24 heures, vitamine E. Et c'est un grand format, j'ai l'impression, à 50 ml. Alors, la formule enrichie en complexe hydratation intense Nivea, vitamine E, extrait de lotus, extrait de magnolia d'origine naturelle. Il y a FPS 15 à l'intérieur. Ça hydrate intensément votre peau pendant 24 heures. Repulpe et laisse une sensation de fraîcheur avec sa texture légère et protège votre peau des méfaits du soleil. Oh bah c'est bien ça. Et est-ce que c'est pour les peaux grasses ou c'est pour quoi ça? Parce que moi j'ai une peau grasse hein, donc bon, je vais pas vous mentir, en ce moment ma peau est très granuleuse. Bah, ils disent pas vraiment si c'est pour les peaux peau normale. Oui, en soi, vu, j'ai peut-être une peau normale, je sais pas. Mais bon, voilà. Et voici le packaging. Après, il faut voir c'est quoi peau normale. Bon, on verra bien, vous savez quoi. Parce que moi, j'ai plus une peau qui a tendance à briller quand il fait chaud et tout, et à avoir plein de boutons. Donc moi, je pense que j'ai plutôt une peau grasse qu'une peau normale, mais bon, à voir, ça peut... On peut toujours tester quand même, peut-être. Mais il faudra peut-être pas utiliser tout le temps. Vu que c'est une crème qui hydrate beaucoup. Sinon, il faudrait mettre ça le soir avant de dormir. Comme ça, après, on nettoie la peau. Et puis, voilà. À voir. Mais c'est très très bien pour les deux premiers jours. Donc, je vous remontre. Donc, voilà. Soin de jour, fraîcheur, Nivea. Et le ciseau pélican. Dans le calendrier couture maison. Donc, c'est tout pour les calendriers. Donc là, je crois que dès que j'ai terminé de faire ma petite séquence vidéo, on va partir à Morlaix. Donc je vais pas tarder à y aller. Donc je vais sûrement peut-être prendre soit mon Bombers, soit le tissu, comme je vous ai dit hier, tissu coton à motif wax
si on a le temps d'aller au magasin, parce que voilà, il faut quand même un petit moment pour y aller. On a quand même des choses à faire et tout machin, on a quand même des grosses courses à faire, donc on verra bien. Je vais voir si je prends le tissu ou mon bombers. J'aimerais bien mettre mon bombers parce que là aujourd'hui il fait beau. Après, est-ce que je pourrais faire des photos de mon bombers? Parce que j'ai toujours pas fait de photos pour mettre sur Instagram. C'est ça le problème. Je voulais faire hier, mais hier il faisait moche. Et là aujourd'hui il fait beau, je sors. Très pratique, dis donc. Sinon je pourrais essayer de faire des photos avec mon téléphone et faire des photos dehors, mais je suis pas très à l'aise. Donc bon, je verrai bien. Donc bien sûr, je vais essayer de vous filmer des petites séquences, donc je me retrouve plus tard. Me revoici, il est 18h52, donc on est rentré de Morlaix, des courses, etc. Donc j'ai pas pu vous montrer grand chose parce que j'évite de filmer dans les magasins, parce qu'il y a beaucoup de monde et je ne sais pas si je peux filmer dans les magasins. Donc je vais vous montrer quand même les petits achats que j'ai pu faire. Donc j'ai été à Nose, j'ai été au magasin Quartier des Tissus pour parler du problème du tissu. Alors je vais commencer par ça, comme ça après je pourrai vous montrer les achats. Alors en fait le problème du tissu, en fait ça vient de nous, en fait quand on a lavé le tissu, car en fait on a recroisé la vendeuse qui nous avait découpé le tissu, elle s'était aussi acheté ce tissu là, et en fait elle nous a raconté qu'elle l'a lavé et qu'elle n'a pas eu de problème. Et en fait, tout simplement, bah, le problème, ça vient de nous, en fait, quand on a lavé le tissu. Donc ce n'est pas la qualité du tissu le problème, c'est tout simplement qu'on a utilisé de la lessive en poudre. Voilà, c'est ça le souci, et qu'on a lavé le tissu tout seul. Donc faudra qu'on réessaye de voir, de relaver le tissu ou le bombers. Alors, je vais pas relaver le bombers tout de suite. On va faire un petit test avec ma maman. On va essayer, en fait, je vais découper un carré du tissu dans une chute, hein, bien sûr. Et je vais le mettre à laver avec une machine classique, genre
vraiment une machine avec notre linge du quotidien, avec un lavage classique, quoi, avec la lessive en poudre et la soupline, je crois, je sais plus, je crois que c'est ça qu'on rajoute en plus de la lessive, je crois, je sais pas. Bref, voilà, et voir ce que ça donne, si on peut rattraper les taches, au moins les taches de barres blanches sur le tissu. Et si ça marche, je mettrai à laver mon Bombers. Voilà, sinon je l'ai porté aujourd'hui et vraiment il est très bien, il tient bien chaud, surtout que le matin là où je travaille, là où je fais le remplacement, il fait très froid, donc je vais pas vous mentir. Après tout le reste de la journée, j'ai froid, j'ai vraiment du mal à me réchauffer parce que je passe quand même 2h30 ou 3h30 dans le froid, donc c'est vrai que c'est pas facile de se réchauffer après, donc heureux que je ne suis pas tombée malade. Pour ce fameux mystère de tissu, non, on m'a pas remboursé parce qu'en fait le problème vient de moi, hein, tout simplement, donc pas de nous, voilà, quand on a lavé le tissu. Mais c'est la première fois que ça nous arrive parce que ma mère a toujours lavé mes tissus avec la lessive en poudre, voilà, elle avait lavé d'autres tissus avant de laver ce tissu là, il y avait eu zéro problème. Même qu'elle m'a lavé le jersey de coton tricot de chez Dresden Stoffen, couleur vieux rose foncé, pour ma robe Vesper, il n'y a pas eu de problème. Donc je sais pas. Donc on nous a dit que c'était peut-être la lessive en poudre qui a fait ça. Donc voilà, on n'a pas eu plus d'infos et tout. Après, il y a eu énormément de monde, donc on n'a pas voulu non plus déranger. Il y avait énormément de monde. Hein. Je suis pas restée, je n'ai rien acheté. Hein. Je préfère vous le dire. J'ai pas été plus loin. Vous allez me dire que j'aurais dû demander un remboursement. De toute façon, c'est fait. Si ça vient de nous, le problème, c'est pas le tissu en soi. Hein. Donc bon. Voilà, bref, on s'en fout, hein, de toute façon c'est fait. Donc maintenant je vais vous montrer mes achats. Donc pour mes achats, j'ai acheté un truc à Decathlon. Alors c'est un vêtement, j'ai pas le temps de coudre un truc, surtout là je vais l'utiliser surtout pour demain matin parce que j'en ai marre d'avoir froid. J'ai acheté un polaire, voilà, j'ai pas la foi là de coudre et j'ai pas le temps, je suis fatiguée. Voilà, vraiment je voulais au moins en avoir un pour demain et pour les prochaines fois si je tombe encore sur un remplacement où je me les pèle. Au moins voilà, bon ça a coûté 16 euros, mais au moins je peux le garder pendant un moment et ça va me servir pour le boulot, quoi. Et puis coudre un polaire pour le boulot, ça me donnait pas trop envie, hein, voilà. Au moins j'en ai acheté un, ça sera pour le boulot, ça sera très bien parce que j'en ai vraiment marre d'avoir froid, voilà. Donc c'est 16 euros. C'est un peu cher, mais bon, je vais m'en servir, je l'espère. J'ai pris en taille M, j'espère que ça va m'aller, parce que ça fait un moment que je n'ai pas acheté de vêtements dans le commerce, donc je ne sais pas du tout, mais bon, normalement, je pense que M, ça devrait le faire, j'espère. Voilà pour ce polaire. Ensuite, on a été à la foire fouille pour aller chercher d'autres petites décorations de Noël. Là, par contre, c'est ma maman qui m'a acheté les petites décos. Donc en premier elle m'a pris le petit casse-noisette là qui s'accroche dans le sapin. Je sais pas si je vais l'accrocher dans mon petit sapin, je sais pas. Mais je trouvais sympa, voilà. Alors pour les prix je ne m'en souviens plus donc je pourrais plus vous dire. Après j'ai pris des boules vertes pour mon sapin. Donc il y a des verts foncés qui tirent quand même sur le bleu quand même. Et des vertes un peu plus clairs. Voilà, il n'y avait pas grand chose comme... boule de Noël sur couleur vert et dans cette taille là, donc j'ai pris celle là ça sera très très bien pour mon petit sapin dans ma pièce couture. Ensuite j'ai pris ça, alors ça c'est pour mettre aussi dans le sapin, mais moi je vais enlever la petite cordelette là et je vais le mettre où il y a mon petit sapin que j'avais fait en DIY l'année dernière, voilà, parce que ça manque de déco. Donc j'ai déjà pris ça. Et je suis tombée sur cette petite voiture aussi, comme ça, avec un sapin à l'arrière. Et en fait, elle s'allume. Voilà. J'ai trouvé ça super marrant, en fait. Enfin, super sympa aussi. Donc voilà, et ma maman aussi a pris la petite voiture aussi, comme ça, pour mettre en bas, je pense. Donc voilà, c'est tout pour les petites décos de Noël. Et ici... faut que je me dépêche, je vais aller manger. Donc je disais, parce qu'elle m'a coupé la parole ma mère, j'ai aussi acheté une petite déco à Noz, parce que j'ai été à Noz, qui coûte 1,98€ et j'ai pris ça. J'ai trouvé ça trop mimi.
Donc voilà pour la petite déco, mais bon elle est plutôt grande, mais pour le prix je l'ai trouvé très sympa. Et je vais me dépêcher. Et pour terminer, j'ai trouvé 3 diamond painting à nose. C'est des diamond painting qui font 30 x 40. Bon, j'ai pris des modèles, bon, j'ai regardé un, je vais vous le montrer. Il est un peu pixelisé, hein, faut vraiment regarder de loin. Donc le premier c'est celui-ci. Voilà, avec des serres, je le trouvais très très joli. Il coûtait 4,30€, donc j'en ai profité. Ensuite j'ai pris 2 paysages, donc le premier dans les tons bah, sur la saison de l'automne. Voilà, par contre lui je ne l'ai pas ouvert, mais je pense qu'il va aussi être un peu pixelisé. Mais bon, en général il faut regarder ça plutôt de loin. Et ça aussi je crois que c'était 30 x 40, je crois. Et là c'était 4,20€. Et le dernier qui est plutôt sur les thèmes de l'hiver, Noël un petit peu. Voilà, comme ça. Et lui aussi c'était 4,20€. Et je pense que lui aussi il doit être un peu pixelisé. Je pense que ouais, quand on regarde de loin comme là, je regarde dans le retour caméra, ça a l'air pas mal. Mais quand je regarde de près, c'est moche, hein, je préfère vous le dire. Voilà. Bon, je vais vous laisser, je vous retrouve après parce que là je vais aller manger. Sinon je vais me faire engueuler. Toujours au même endroit, mais il est 19h33, j'ai mangé. Donc je vais clôturer ce vlog. Encore une fois, il n'aura pas été très intéressant encore une fois. Mais bon, j'ai travaillé ce matin, j'ai été à Morlaix, rien d'exceptionnel. Mais bon, je vous ai montré des beaux paysages parce que je trouvais que le coucher du soleil, oui, le coucher du soleil était très très joli, enfin, surtout le ciel. Donc voilà, au moins je vous aurais montré des paysages et mon goûter aussi. Donc voilà, mais juste avant de vous laisser, si ça vous intéresse, j'ai été, quand on a été faire les courses au Leclerc avant de partir, j'ai été au marchand de journaux pour voir s'ils avaient le modèle travaux hors série. Alors je ne l'ai pas pris parce que ma mère m'a dit qu'elle voudrait l'acheter pour le calendrier, etc. Donc au cas où qu'elle le prenne et tout, je ne vais pas l'acheter. Donc voilà, je voulais surtout voir les modèles voilà, dans le magazine. J'avais vu des photos sur Instagram, mais je voulais quand même le voir, voir le magazine en vrai. Et je voulais aussi voir le magazine Fibre Mood hors série. Donc c'est un spécial. L'appel spécial numéro 1, je crois. J'avais vu la vidéo de Marine W. Je vais pas vous cacher qu'il n'y a que 2 modèles qui m'intéressent dedans. Mais je voulais le voir voilà, en main propre. Mais il ne l'avait pas là où j'ai été. Voir. Et en fait, je suis tombée sur un autre mode des travaux. Mais là, c'est pas un hors série. J'ai pris en photo et je vous mettrai quelque part dans la vidéo. Et en fait, c'est le mode des travaux, je pense, du mois de décembre. Et en fait, vous l'avez sans donc classique, ou soit vous avez avec une carte cadeau artisane. Alors je vous montre là, mais je vous mettrai la photo juste ici. Voilà. Et je me suis dit que j'allais prendre en photo et vous partager si ça peut vous intéresser. Donc le magazine il coûte 6,50€ plus 2,50€ au lieu de 24€. Et en fait, vous avez, je pense, oui, un cours, 2 heures de cours de couture en ligne. Le patron associé du 36 au 48. Et en fait, c'est une carte cadeau pour la formation. Je pense, je couds ma robe parfaite. Donc, si ça peut vous intéresser, c'est artisan. Voilà, je pense qu'ils ont dû faire une petite collaboration. Donc, voilà, si ça vous intéresse, voilà, vous payez. Bah, en fait, vous payez le magazine, vous avez la carte avec. Il faut vraiment prendre avec le blister en plastique. Hein. Si vous le prenez sans le machin, elle n'est pas dedans. Hein, je tiens à préciser. Voilà, donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas vous le partager. J'hésitais à le prendre, mais je ne l'ai pas pris. Mais si la prochaine fois je tombe dessus, pourquoi pas. Parce que c'est vrai que 2,50€ la formation au lieu de 24, je ne dis pas non. Hein. Je pense qu'on est tous d'accord, on ne dit pas non. Hein. Donc voilà, je voulais vous partager cette petite info si ça vous intéresse. Voilà, parce que je suis tombée dessus et j'ai vu que personne n'en a parlé. Donc je me suis dit que ça pouvait peut-être vous intéresser. Et peut-être que ça m'intéressera aussi, pourquoi pas, je vais vous dire. Pour demain, bah pas grand chose, ça va être la même chose qu'hier. Voilà, je travaille le matin et en fin de journée, mais après je serai en week-end. Et j'aurai fini le remplacement du matin, je vais pas vous mentir que j'ai hâte, parce qu'il y a un truc que je dois utiliser qui ne fonctionne pas. Comme bah, on m'a formé, on m'a montré comment il faut l'utiliser et tout, mais...
J'ai fait comme on m'a dit, hein, mais la batterie, j'ai envie de me tirer une balle quelque part, je vais pas le dire, mais voilà, je pense que vous avez compris l'expression que je veux dire. C'est j'ai une surface à nettoyer et ça dure que 5 minutes. Je vais vous dire que j'ai pas hâte de l'avoir la machine. C'est le seul truc que j'ai pas envie de faire demain matin. Le reste, ça ne me dérange pas, mais ça. Oh, là, je veux dire, adieu, dégage, j'en ai marre. Je vous jure, j'ai hâte de terminer à midi. Oh mon dieu, mais bon. Après, entre midi, l'après-midi, avant de reprendre à 17h30, je dois ramener un contrat. Je vais peut-être passer vite fait à Action pour acheter peut-être d'autres décos. On voudrait acheter des petits sapins, vous savez, qu'on peut mettre avec. Les petits trucs, les petites maisons avec des musiques et tout machin. J'ai pu m'autoriser un peu comme ça. Là. Je sais plus comment ça s'appelle. Vous savez, pour faire les petits villages. Là. Je sais plus comment ça s'appelle. Que je trouve ça trop beau. Mais c'est... faut avoir un sacré budget pour faire ça quand même. Bon, je vais pas vous mentir que j'ai beaucoup parlé dans ce vlog. J'ai pas montré grand chose. Mais bon, j'espère que ce week-end, je pourrai vous montrer plus de choses. Je l'espère. J'espère pouvoir terminer mes coutures. Que je dois terminer, donc ma robe Vesper et mon col mouton du livre Dress que j'avais fait la semaine dernière. Donc voilà, je vous parlerai aussi de la robe Vesper, voilà, parce que j'avais commencé avec vous en live, mais je l'avais pas terminée. Et je l'ai terminée, mais il me manque juste les ourlets en fait, et pareil pour le col mouton. Donc je vous en parlerai. Voilà, parce qu'il y a des petites choses à dire, surtout au niveau de la taille, sinon le patron est très bien. Mais la taille, c'est à revoir, malheureusement. Bon, je vais arrêter. Je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne journée. Je sais qu'il y a des gens qui vont regarder les vlogs de Noël le matin, donc je vous souhaite une bonne journée. Je vous retrouve demain. Donc rendez-vous demain pour vous à 17h pour un nouveau vlog de Noël. Bisous et à demain.